Bonsoir Toulouse. Vous allez bien? Oui. Bon, j'espère qu'on n'a pas commencé en retard. Non. Non, non, parce qu'on va encore entendre dire les Noirs sont toujours en retard. Mais c'est pas tout à fait faux. Et le pire, c'est que ça date pas d'aujourd'hui. Tenez, le jour de la distribution des rôles des super-héros, les Noirs sont arrivés en retard. Et on a eu le dernier choix. Kirikou. Voilà, je me présente, je m'appelle Phil Darwin et je viens d'Afrique. Un peu au goût du monde d'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui quand on est en Afrique, on fait tout pour aller en Europe. Quand on est en Europe, on fait tout pour aller aux États-Unis. Quand on est aux États-Unis, on fait tout pour aller en Irak. Et du coup, ça crée des problèmes d'intégration, tout ça. Vous avez vu les Américains, comment ils galèrent pour s'intégrer en Irak? C'est dur. Et c'est partout, partout pareil. Les Noirs galèrent pour s'intégrer en France. Même ceux qui réussissent ont du mal. Regardez Harry Roselmack sur TF1. Il a surpris toute la France. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Mais imaginez-vous un instant que ce bruit ne soit pas arrivé partout. Imaginez-vous un instant dans la France profonde. Un vieux qui n'est pas au courant, qui s'attend à voir Patrick Pantarvor à 20h. Il allume sa télé. Nom de Dieu! Un vigile aux 20h? Oh, les clichés, c'est pas bon ça. C'est même négatif. Et c'est peut-être pour ça qu'un cliché, ça s'appelle également un négatif. Le problème de l'intégration des Noirs en France, c'est d'abord et avant tout un problème de culture. Il faut savoir qu'en Afrique noire, par exemple, quand un garçon va dîner avec une fille, c'est lui qui paye l'addition. Et ça, toutes les filles noires le savent. Alors je vais vous dire, j'ai une amie qui est arrivée fraîchement d'Afrique. Un jeune Français l'a emmené dîner. Et à la fin du repas, quand l'addition arrive, il lui dit « on partage ?» Tu as dit quoi, hein? On va faire quoi? Hé, hey, toi là, écoute-moi bien, hein? Moi, j'étais tranquillement chez moi, hein? Je n'avais pas prévu de dépenser l'argent aujourd'hui, comment? Hey! Donc, tu m'emmènes au restaurant, tu me dragues. Et tu veux que je paye ma part? Mais toi là, tu ne verras jamais la couleur de mon string, hein? C'est dur. C'est dur pour elle. Mais c'est également dur pour lui. Parce que lui, son fantasme, c'était de sortir avec une fille noire. Il en a rencontré une autre, et là, il a pris les devants. Allez, c'est moi qui régale. Je t'invite, on va prendre un verre. Un verre! Mais on est deux! Qui va boire? Qui va pas boire? Moi, je pense qu'on parle pas assez de ceux qui ont réussi leur intégration en France. Mon cousin, par exemple. Vous savez, mon cousin, quand il est arrivé, il avait vraiment cet accent africain prononcé. À tel point que quand il se fâchait, c'était... Toi, tu blagues avec moi? Hé, hey, faut pas blaguer avec moi, hein? Moi, là, j'ai grandi dans la jungle. Mon animal domestique, c'est une panthère. Moi, je veux te bouffer tout cru, hein? Mais ça appartient au passé, attention. Aujourd'hui, monsieur est officiellement intégré. Vous le verriez, mon cousin, aujourd'hui, quand il se fâche, c'est... Alors, tu l'as vu, celle-là?